Je suis Priscilla Guétreau, je suis avocate en droit du travail et je fais partie du club Carbao de Paris. Je conseille les petites entreprises de moins de 50 salariés et les salariés également. Je les accompagne dans tout ce qui est rédaction des contrats de travail, analyse des principales clauses, gestion des contentieux. Donc quand il s'agit de l'entreprise, c'est négocier une rupture conventionnelle avec un salarié ou mettre en œuvre une procédure de licenciement. Quand il s'agit d'un salarié, ça peut être négocier des conditions de départ. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé pour des sociétés qui ont eu des gros problèmes avec des salariés qui étaient très bien payés, mais qui ne faisaient pas l'affaire. Il n'y a eu aucune formalisation des difficultés qui étaient rencontrées dans le travail. Et une fois que l'entreprise a voulu un petit peu mettre les choses au point, le salarié l'a mal pris et a fait état d'un harcèlement moral. Donc en gros, on a dû assister les entreprises pour qu'elles se défendent face à ces allégations de harcèlement moral. Donc ce que je veux dire surtout, c'est vraiment bien rédiger vos contrats de travail en prévoyant ce qu'il faut, accompagner les salariés dans la prise de poste et souligner quand il y a des difficultés, ne pas attendre la dernière minute pour communiquer. Quand il y a un harcèlement moral, il ne faut pas traîner, il faut mettre en place une enquête interne ou en tout cas, il faut traiter le problème avec votre RH si vous avez une RH ou avec un avocat. Chaque jour ne se ressemble pas et il y a le droit d'un côté, mais en droit du travail, il y a beaucoup d'humains. Donc en fait, on doit tout le temps gérer des personnalités, des conflits, des problèmes de communication. Et du coup, en fait, une journée n'est jamais la même que la veille. Et j'aime bien ce côté où en gros, tout le temps, on vit j'appelle ça des petites aventures. Et aussi, je suis très contente quand on arrive à trouver une solution et que les gens sont contents. Je fais mon maximum pour écouter mes clients, pour me rendre disponible, pour être proche d'eux et pour apporter une solution qui aille dans leur intérêt. J'ai une communication qui est proche. Il y a une cliente qui m'avait dit une fois « Ah, avant j'avais un avocat, je comprenais rien quand il me parlait. » Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que voilà, vous puissiez vraiment vous saisir des notions principales et puis aussi être acteur en fait. Acteur des sujets qui sont les vôtres en droit du travail et pas que vous viviez ça de manière très distante et que vous n'y compreniez rien. Carbao Paris, je trouve que c'est un moment très convivial. Je suis contente de l'accueil au sein du groupe, je suis contente de les retrouver. Je trouve que j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer des professionnels de divers horizons. Ça va de l'industrie à la communication. Et je trouve que ça me permet vraiment de sortir de mon environnement juridique. Et c'est à la fois une grande ouverture et puis aussi ça apporte du business.